Tu fais pause ? Non merci, je vais prendre le bus. J'ai une course à faire avant de prendre mon train. Comme tu voudras, mardi. Bon week-end. J'ai juste le temps de passer chez moi prendre mon sac. Tu sais, ça y est, c'est décidé, je vais rompre avec Béatrice. Je vais lui parler pendant le week-end. Ça fait tellement longtemps que tu dis ça. Je peux plus supporter cette vie coupée en deux. 3 jours à Rouen, 4 jours à Paris. Je vais parler à Béatrice. C'est vrai, c'est bien vrai. Je vais m'installer ici. Je peux très bien finir de préparer ma thèse à Rouen. J'aurai un appartement plus grand et on se verra tout le temps. Ça fait 3 mois qu'on n'a pas passé une nuit ensemble. T'aime. Ensuite, tu pourras parler à ton mari, tu divorceras et nous n'aurons plus jamais besoin de nous cacher. Jamais, jamais plus. Non, tu sais qu'il va louper ton train, toi. Oh. Allez. Ça va ? Parce que j'en ai marre de ces allers-retours Paris-Rouen. Oui, bah ça, c'est les jouets de l'éducation nationale, mon vieux. Dis donc, elle a dû te coûter une fortune. La moitié de mes économies. Merde, c'est un beau cadeau de rupture. C'est con, tu vois, mais je sais pas, c'est une façon de lui montrer que c'est important pour moi, ce qui s'est passé entre nous. Tu te sens coupable, quoi. Tu peux pas savoir, c'est affreux. 4 ans qu'on vit ensemble, tu te rends compte? Ah ouais, ça fait une traite. De toute façon, même avec Cécile, ça pouvait pas durer. Il fallait que je prenne une décision. Ou je fais ma vie avec Béatrice, ou on se sépare, quoi. Et elle se doute de quelque chose, ou... Ben non, justement. Et on dit que les femmes ont un 6e sens. Oh, le ciel va lui tomber sur la tête. Elle a une confiance aveugle en moi. Justement, c'est ça qui me tue, c'est cette confiance. Et puis, je supporte pas de faire de la peine à une femme qui m'aime. Et t'es vraiment décidé? Ouais, je lui parle ce soir. Je vais l'emmener dîner dehors. À la maison, j'aurai pas le courage. J'ai retenu une table dans un petit restaurant où on va souvent. Oh bah, que je suis bête, tu connais? Ah, chez Alex? Ouais, c'est ça, chez Alex. Béa? Je suis dans la salle de bain. Béatrice. Chérie, ce soir nous sortons. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une surprise. Je t'invite à dîner. J'ai retenu une table chez Alex. Voilà la table des amoureux. Merci. Tu sais pas pourquoi je riais quand tu m'as téléphoné pour réserver cette table pour ce soir? Ben non. Parce que Béatrice venait juste de me téléphoner pour me demander la même chose. Tu y as pensé, tu t'es souvenu de notre anniversaire. Il est beau, tu es formidable. Oh, il est fantastique. 2 champagnes framboises pour les amoureux. 4 ans déjà. Ça fait 4 ans ce soir que nous sommes sortis ensemble pour la première fois. C'est fou, non? Bah oui. Il me semble que c'était hier, on était à cette même table. Oh, le cinéma que tu m'as fait, tu te souviens? Oui. Je suis sûre que tu croyais que ça allait être une petite aventure sans lendemain comme ça. Ah, mais moi je savais que ça serait du sérieux tous les deux. C'est vrai au fond, on a un 6e sens pour ça, nous les femmes. Tu crois? Bien sûr. Faut dire que c'est pas difficile de lire dans votre jeu, hein. Oh, tu sais ce qu'on va faire maintenant? Tu vas m'inviter à boire un verre au Rubies, comme la première fois, d'accord? D'accord. Je t'aime. Je lui ai demandé au disque jockey de la repasser exprès pour nous.
suis heureuse, tu sais. Enfin, tu sais quelle est la seule différence entre cette soirée et celle d'il y a 4 ans? Je donne ma langue au chat. Eh bien, c'est qu'au lit, c'est encore mieux que la première fois. Béa, il faut que je te dise quelque chose. Oh, écoute, c'est drôle, moi aussi. C'est important, toi? Ouais, plutôt. Oui, moi aussi. C'est quoi, ça, c'est pour moi? Ouais. Tiens, regarde, j'ai aussi un cadeau pour toi. Quand je pense que j'étais sûre que tu allais oublier notre anniversaire. Oh. Mais tu as fait une folie, mais elle est superbe. Chouette, un briquet en or. Mais ce qu'elle est belle, mais... Mais tu es fou, ça a dû te coûter une fortune. Oh. Qu'est-ce que tu avais à me dire, toi? Non, commence, toi. Non, toi. Non, allez, vas-y, toi. Bon, alors devine. Cherche, fais un effort. C'est dingue, j'ai oublié de prendre ma pilule une fois le mois dernier, et puis voilà. Tu veux pas qu'on le garde? Si, ben non, écoute, là, attends, je suis tellement surpris. Et toi, qu'est-ce que tu avais à me dire? C'est si difficile que ça? Bah, tu sais... Mais c'est pas difficile à comprendre. Hein? Il faudrait que je sois idiote. Avec une bague comme ça, c'est pas difficile à deviner. Mais qu'est-ce que t'as compris? Ça serait pas une bague de fiançailles, par hasard? Ça serait pas une demande en mariage, monsieur? Et tu lui as dit oui? Ah oui. Non mais c'est dingue! Tu lui achètes un cadeau de rupture et ça devient une bague de fiançailles. Ouais, je sais, qu'est-ce que tu veux, mais je suis lâche avec les femmes, moi. Et elle avait l'air tellement heureuse pendant toute cette soirée. Et puis au fond, je suis bien avec Béa, elle est douce, tendre, on s'engueule jamais. S'il n'y avait pas eu Cécile. Et avec Cécile, qu'est-ce que tu vas faire? Ah ben, je vais rompre. Tu sais, Cécile, elle a sa vie, elle est mariée, pour elle c'est moins grave. Seulement, il faut que je sois honnête avec elle aussi, quoi. C'est un sacré numéro, toi. Je te dis, je suis incapable de faire de la peine à une femme qui m'aime. Tiens. Non. C'est l'autre moitié de mes économies. Hier soir, je me suis disputée avec Roland et comme je savais que t'allais parler à Béatrice... Quoi? Dis-moi. Je vais te raconter pour nous. Il est devenu fou furieux, il m'a frappé. Il a rameuté tout le quartier et il m'a jeté à la rue. Comme une putain. Bon Dieu. Oh, calme-toi, ne pleure pas. Non, mais je pleure, mais tu sais, en réalité, je suis tellement heureuse. Nous sommes libres. Tu comprends? Libres. On va pouvoir s'aimer au grand jour. Oh, je t'aime. Je t'aime. Lis-nous, mon amour. Oh. Dis, on va fêter ça, hein? Hein? On va fêter ça, je t'invite au restaurant ce soir. J'ai retenu une table trou normand. Chérie, cette table, ça ne te rappelle rien? Si, c'est la table où nous avons dîné la première fois que nous sommes sortis ensemble. Les souvenirs. Tu es... Merveilleux, je sais. Deux champagnes framboises pour commencer. Je reviens tout de suite. Non, vas-y, vais. Tu sais pas ce que j'ai à faire? Tu vas demander au DJ de passer le morceau sur lequel nous avons dansé pour la première fois ensemble. Comment tu as deviné? Une sorte de sixième sens. Chérie, tu es... Je suis merveilleux.
Cécile, il faut que je te dise quelque chose. Ah, c'est drôle. Moi aussi. Tu es enceinte et tu veux garder l'enfant. Mais tu devines tout. Une sorte de sixième sens. Tu sais, je suis sûre qu'il est toi. Ça fait au moins 6 mois qu'on l'a pas touché. Ah, c'est un cadeau, c'est pour moi. Et tu lui as dit que tu allais l'épouser? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle avait l'air tellement heureuse. Mais tu me vois l'annoncer que je la quittais le lendemain du jour où elle a brisé son ménage à cause de moi. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais parler à Béatrice. Je peux tout de même pas les épouser toutes les deux. Si, si, je vais lui parler. Pipou! Devine qui est là. Je sais pas. Maman. Voilà. Je peux vous embrasser? Bien sûr, madame. Oh non, appelez-moi maman, ça me ferait tellement plaisir. D'accord, maman. Oh maman, écoute, il faut pas pleurer. C'est de bonheur. Je suis tellement heureuse. Je suis tellement heureuse. Maman a fait le dîner en ton honneur. Vous savez, le père de Béatrice m'a abandonnée juste avant sa naissance. Je ne sais pas. J'ai toujours eu peur qu'il arrive la même chose à ma petite fille. Qu'est-ce que tu racontes, maman? Viens, assieds-toi. C'est tellement dur pour une femme seule d'élever un enfant. Asseyez-vous près de moi, ma fille. Vous savez, ma Béatrice, elle a l'air forte comme ça, mais dans le fond, elle... tellement fragile, tellement sensible. Il vous aime tellement. Dans sa lettre, elle parle que de vous. Oh, tais-toi, maman. Mais maintenant, je suis tranquillisée, je suis heureuse. Je suis sûre que vous êtes un brave garçon. Je le sens. Vous savez, les femmes ont un sixième sens pour ça. Bon, allez, courage. Faut que tu lui parles absolument. Maman. Bonjour chérie. Bonjour toi. Attends. Mais où vas-tu? On va pas à la maison? C'est une surprise. C'est eux. Monsieur Alain. Et voici toute ma sainte famille. On va s'embrasser. Cécile nous a tellement parlé de vous. C'est comme si vous étiez déjà de la famille. Ravi de vous connaître. Moi aussi. Françoise, Chantal et Marino. Bonsoir. 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 Bon, les femmes, allez vous occuper du dîner. Alain et moi, il faut que nous parlions un peu entre hommes. Nous allons prendre l'apéritif. Entrez. Qu'est-ce que je vous offre? Je prendrai un peu de martini, s'il vous plaît. J'en prendrai un peu moi aussi. D'habitude, je ne bois pas, mais ce soir, c'est spécial. Merci. Alain, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Vous savez, j'ai fait toute ma carrière dans la cavalerie, et dans la cavalerie, nous sommes directs. Lorsque Cécile nous a appris qu'elle divorçait pour vous épouser, ça ne nous a pas plu, c'est le moins que je puisse dire. Nous sommes une famille de catholiques, et chez nous, jusqu'ici, le divorce, ça ne se faisait pas. Bien sûr, je comprends. Nous en avons longuement discuté, ma femme et moi, et finalement, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait vivre avec son temps. Et puis, Cécile a l'air tellement heureux. Ma fille vous aime, mon garçon, d'un amour franc et sincère. Je l'aime aussi, monsieur. Appelez-moi Georges. Oui, Georges. Dès que je vous ai vu, j'ai su que vous étiez un gars bien. Un gars franc du collier. Vous savez, dans l'armée, on a un sixième sens pour ces choses-là. Ah bon? Tu n'as pas encore parlé à Cécile? Si tu crois que c'est facile, ses parents ont envoyé plus de 500 faire part. Le mariage est prévu dans 3 semaines. Tu me vois arrivant pour dire au colonel que j'épouse pas sa fille? Il faut quand même que tu le fasses, plus t'attends, plus c'est dégueulasse. Mais je vais le faire, je vais le faire. Avant que je rentre le voyage de noces avec Béatrice, je parle à Cécile. Elle est belle, hein? Maman, Dieu, quelle mine tu
chapiteau, tu es ouvert. Ah non, mais ça sert à rien, c'est la panique du nouveau marié, c'est classique. Bon, allez, dépêchons-nous parce qu'on va être en retard. Hein. Attention, ne bougez plus. Madame, s'il vous plaît. Merci. Les mariés, regardez-vous. Attention, ne bougeons plus. Madame, s'il vous plaît, merci. Les mariés, regardez-vous. Voilà. Moi, je suis tombé pour vol de bagnole, échec sans provision, et toi? Moi, c'est parce que je suis incapable de faire de la peine à une femme qui m'aime. Ah ouais?